What's up les gars, c'est ton gars Mister Kotoke Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 les gars, enfin. Ça fait depuis longtemps je sais, désolé encore, c'est à cause des cours et tout ça, j'ai pas trop le temps. Et je fais des vidéos quand je le veux en fait. Aujourd'hui on va découvrir les nouveautés de la nouvelle match quoi. Il y a Chipman qui est sorti hier, vendredi 16 mars, pour tout le monde. Donc allez la tester dans le truc, dans des modes spéciales. Allez la tester, c'est vraiment une map mythique de Call of Duty. Moi je vous conseille d'aller la tester et ben voilà quoi. Allez, on va commencer la game. Je suis avec la STG 44 comme d'hab. 3, 2, 1. Ah dommage. Nous contrôlons le champ de bataille. On prend B. César est commandé. Ah putain, par contre il y a beaucoup de gens qui jouent au pont. Ça c'est. Faut s'y attendre. Est-ce que beaucoup de gens je vais juste couper je vais juste aller voir le menu pour baisser un peu le son du jeu parce que c'est un peu trop fort pour mes oreilles. Juste une petite coupure de rien du tout. Donc voilà, je vais mettre. Voilà, on est revenu, j'ai baissé un petit peu le son parce que c'était un peu trop fort. Ah putain, je commence pas très bien. Ah putain. Oh, y a beaucoup de gens qui jouent aux pompes par contre, ça casse un petit peu les couilles. Falloir jouer un peu l'objectif là parce que. Ouais, c'est bon. Putain, ça c'est chiant, y'a beaucoup. Faudrait que. Ah là là. Putain, y'a plein de gens qui jouent. Ah là là, en plus Molotov, mais c'est quoi cette game, putain. Bon, je vais me calmer un peu là. Ah là là, faudrait se calmer là, ceux qui jouent aux pompes. Et sur World War 2, le pompe est revenu en force. Viens. Voilà. Oh le bâtard. C'est bon, on l'a récupéré. Il m'a fait du dégât, c'est bon. C'est nous. Là faudrait que je me cache dans un endroit parce que il y a trop de bombardements. Je vais me mettre ici, je vais prendre chasseur. Vas-y, je vais mettre comme ça. Je fais un kill, d'accord, mais il dégage, putain. Oh non, il me bloque. Oh là là, mais dégage! Putain, sérieux. Un Thierry disponible pour affectation en attente de coordonnées. Ok.
Il y a un barrage d'artillerie, ça, ça. Ça, c'est bien ça. Ah, dommage. Vas-y, je vais mettre le barrage d'artillerie. Voilà. Parfait. Tout ça c'est abusé. Ce sont shipments, c'est toujours comme ça. C'est normal, hein, normal. Wow! Putain, je l'ai pas vu. J'ai cru que c'était un cadavre. C'était lui là. Ok, il y en a un là. Ok, mi-temps. 19-16, ah, c'est pas bien ça, ça c'est pas aux autres games là, c'est pas très bien. Eh, deuxième mi-temps. Ah putain. Vas-y, vas-y, prends. Wow. Encore le mec aux pompes là. Putain, ils sont de partout. Franchement, je vous conseille pour XP jouer à Shipment en domination, élimination confirmée. Franchement, pour vous faire plein d'XP. Et en plus, ah, dommage. Et en plus, vous pouvez faire plein de kills. Assez facile, on peut dire. Parce que la map est tellement petite. Pff, oh, vas-y, mais il sort d'où le molotov? Putain, t'es derrière. Ok, ils sont avec nous. Piste, putain. Merde, gros, merde. Casse-toi, putain. Putain, tu voyez comme ça là, quand il y a des grenades, tu sais pas quoi faire. Tu pars à droite, tu reviens en arrière, tu. C'est vrai, ça peut t'induire en erreur très facilement. Surtout les grenades, tout ça là, les bombardements, il y en a partout. Ah, dommage. Recherche pas. Capturer A. Ah putain, mais il était où lui? Putain, j'avais pas ça. J'avais pas où il était. Ah putain, dommage. Allez. Putain, vous voyez là, allez, vous voyez, ça commence à trembler à partout, mais de partout ça tremble.
Non, non, oh là là, j'avais vu avec son molotov, lui. Oh putain! Oh là là, je sais même plus quoi faire tellement il y a de bombardements. Normalement on va gagner, à part s'ils prennent tous les... Voilà, victoire 51-36. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Vraiment pas mal. Je vous ai dit, les gars, vous pouvez faire plein de kills. Vous pouvez XP, regardez 5000 XP. Regardez l'autre, on a 9000 XP. C'est vraiment, vraiment, c'est hyper cheaté. Cette map là, vous pouvez faire plein de kills, mais facilement. Puis XP, moi je vous conseille d'y jouer, c'est hyper fun. Voilà, on reprend un peu de fun à jouer à Call of. C'est vrai que comparé à Fortnite, comme disait Skyrose, il n'y a pas assez de nouveautés. Call of Duty, Activision ne sort pas tout comparé à Epic Games, ils nous sortent tous les jours des nouveaux modes, des nouvelles armes, tout ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo juste après celle-ci, je vais sur. Bah parce que j'ai acheté le pass de combat, sur le pass de combat, et on va essayer de faire sur le C4. On va juste voir les nouveautés de cette nouvelle mise à jour de Call of Duty. Donc on a le nouveau mode chasse aux farfadets. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la Saint-Patrick dans pas longtemps. Je sais pas c'est quand exactement, mais Saint-Patrick c'est une fête irlandaise. Après si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est irlandais, j'en suis sûr même. Il y a aussi dans le quartier maître, on voit, il y a deux nouvelles armes. Il y a la M38 épique, franchement celle-là elle est très très belle. Par contre après c'est très cher et ils ont rajouté des nouveaux pendentifs aussi. Ils ont rajouté des camouflages, par exemple celui-là chaudron d'or. Et celui-là aussi pour le pistolet. Et une nouvelle variante de l'AMG 81, la variante taille irlandaise. Même celle-là aussi, elle est pas mal avec les trèfles à 4 feuilles. C'est vraiment dommage qu'ils mettent pas un nouveau sniper. Mais si je me trompe pas, ils ont une nouvelle variante de snipe, juste voir ça maintenant. Oiseau de guerre, voilà, oiseau de guerre 2. Celui-là il est vraiment magnifique. J'espère qu'il est aussi beau parce que sur en pleine game, parce que on voit par exemple cette variante là que j'ai débloqué, la semelle. Attendez, vous voyez là l'apparence, elle a l'air clean, tout ça. Et après quand on partait par exemple dans le stand de tir, ça c'est bien mais c'est un peu rouillé, vous voyez, c'est un peu rouillé quoi. J'espère, mais je crois que c'est bon, je crois qu'elle est assez clean, pas elle est pas rouillée, tout ça. Sinon on a, oui, le nouveau camouflage comme j'avais dit, coupe de peau et chaudron d'or. Après on a ceux-là qui sont un légendaire, oui, un légendaire, le lancer, il a l'air pas mal. Bon, on peut pas voir à quoi il ressemble, mais j'ai déjà vu une vidéo de quelqu'un qui l'avait et ça a l'air plutôt pas mal. Donc je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est bon, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine fois, je vais vous laisser avec ma meilleure game sur Call of Duty et sur ce mode là aussi.
Je vous laisse sur ce gameplay là. Et je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, activez la cloche pour ne rater rien des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois. Passez une bonne journée. Peace. Domination, prenez le dessus. L'ennemi contrôle ses refuges. Paris est plus rebelle. Avancez et prenez position. L'ennemi tient à la gauche. Capture B. A capturé. On a perdu B. Largage à votre signal. Prenez paire. C'est le salaud. Jolie stratégique en route. Protégez la zone de la Prenez à la gauche. Reconnaissance de cible en cours. On a perdu A. Mission de bombardement et zone en cours. L'artillerie attend vos ordres. Transmettez les coordonnées. Capture verte. Tir d'efficacité. Verrouillage de la zone visée. Ennemi descendu! Oh!
Domination. Allez, allez. La mission commence ici. Montrez-vous. Sécurise vert. De reconnaissance terminée. Capture verte.